la semaine dernière. C'est des choses qui arrivent. On va repartir pour d'autres matchs, du moins tout le mois de juillet, en espérant qu'on va continuer comme ça. Un an et demi, c'est déjà bien. Un an et demi en commentant, ne commentant pas de 0 à 0, justement. Je tiens à saluer toute ma régie technique, les techniciens en pair. Et je vous dis, ils font tout pour que ces images vous parviennent dans vos stades. Je salue tous les Tunisiens, tous les Congolais, et tous les Africains qui nous suivent, et tous les amoureux du football. Dans quelques instants, vous nous rejoignez. Ils sont tous de vert vêtus. C'est bien sûr les Congolais, tandis que les Tunisiens sont leurs couleurs respectives, aux couleurs de la Juve. Et les léopards sont bien là. Les fauves du Niari aussi, déterminés. On voit la concentration. Aussi, les Tunisiens doivent faire un coup chez eux. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas perdre ce deuxième match, surtout devant leur public. C'est important à souligner. Les différents étirements. Allez, quelques instants. Nous sommes partis pour ces 45 premières minutes. Oui, ma régie technique, pardon. Monsieur Sirouéou, monsieur Dieudonné Olympio, monsieur Ibrahim Dapkogan, monsieur Massima Nascimento. Je peux vous dire, leur travail est d'une grande importance. C'est bien joué, cette petite allonade. Ce ballon directement dans cette phase de réparation. Le ballon qui est contré. Ce sera le premier corner à suivre pour cette équipe de Sfax. Déjà la pression sur cette défense des Léopards de Delizy. Allez, s'appliquer. Nous connaissons toute l'importance des coups de pied arrêtés, justement. Maloulali va tirer, c'est directement du point dégagé. Peut-être la reprise contrée par un défenseur, c'est pas fini pour autant. Si, peut-être le contre qui va s'avancer du côté des Congolais. L'accélération, le retour défensif, il va pouvoir écarter cette touche en faveur des Congolais. Massa Moïcola. Ce ballon rendu directement aux Tunisiens. Attention avec ce pressing, certes ils s'en sortent. La touche à venir. Et ce ballon dans l'axe. La remontée de balle. C'est bien joué ce décalage. Le ballon à la tête maintenant. Donc il va être récupéré. Récupéré par les Tunisiens. Peut-être le décalage côté droit là-bas. Non, dans l'axe, si. L'appel est demandé, la porte est refermée, on va jouer dans les petits espaces. Le décalage maintenant côté gauche, la remontée de balle. C'est bien joué dans l'axe, peut-être le petit centre piqué, la tête retournée. C'est dans l'axe, le ballon n'est pas dégagé pour autant, il y a beaucoup à jouer côté gauche. On a préféré revenir en retrait, pardon, avec ce petit ballon piqué. C'est bien joué, la défense bien présente dans l'axe pour l'instant, il verrouille bien. Et la remontée de balle, le contre qui va s'avancer côté tunisien. Il faut jouer plus rapidement, il faut apporter la vitesse, la percussion dans ces zones. Le danger bien sûr pour la défense. L'observation, il n'a pas trop eu. Ils vont tout de suite vers l'avant. Ils veulent chercher pourquoi pas une position de frappe. Allez, le ballon vers l'avant. Le ballon directement mis en touche, récupéré par les Tunisiens qui pour l'instant monopolise cette balle. Attention, accélération dans l'axe. Le crochet qui est passé, supplé par son partenaire.
va tenter de passer. À la mauvaise passe là. Il a certainement dû le laisser continuer. Venu prendre ce ballon. La compréhension, il n'y a pas de souci. Et son partenaire. Et le ballon un peu d'imprécision côté congolais. De l'avant pour ces Tunisiens. Décalage, non. Le ballon qui est perdu dans le rond central. On passe en retrait. Le ballon, il n'y a pas de position d'enjeu. C'est bien joué. Le bon contrôle orienté. Dans la percussion. Si c'est bien joué. Si c'est peut-être la frappe, la petite passe là. Bien contrée, l'accélération. Très bonne défense pour le moment de cette équipe. Sportive, sfaxienne, à la tête, voilà, on n'a pas pris de risque. Ballon retrait. Ballon, cette accélération, décalage, attention, on va aller presser le gardien tunisien. Jiré Tirami. Le ballon qui est récupéré par les fauves. L'interception. Attention, le pressing s'organise. Il a commis la faute, mais il a fait récupérer cette balle. Et la remontée de balle pour les Tunisiens. Ça, l'arbitre, il envoie un peu d'énervement. Hein. Il y a Lemgefri. Il tente de s'excuser. Abouna. Le gardien qui sort des deux mains. C'est très bien joué ça. Très bonne sortie du gardien. Il relance rapidement la main. Le gardien. Nicolas. Dans un sale qui n'a rien. Le joueur n'a pas poursuivi son effort et ce ballon directement dans les pieds du gardien qui lui va pouvoir relancer. C'est bien joué, il aurait peut-être pu décaler. Pour l'instant, ils font les mauvais choix dans les dernières passes. Les Tunisiens, pour le moment, les attaques sont assez téléphonées. Ça manque de vitesse, donc forcément, attention avec ce ballon qui est récupéré dans la faute. Faute en faveur de cette équipe tunisienne. Ça monte d'un cran. Hein. Allez, Malou Lali. Coupe de beau gosse. C'est parti, Malou Lali. Attention, ce ballon. Ça va être au-dessus. Ça a été travaillé, malheureusement, mal ajusté cette tête.
le pied sur ce ballon, l'accélération dans l'axe, il a un peu de champ, il a un peu d'espace. Le décalage, le ballon un peu mal donné, ça va être contrôlé difficilement, mais il a pu se remettre vers l'avant. Contrôle orienté. Des fois, il faut poser du soutien. La passe imprécise, on va tenter de récupérer ce ballon. La balle reste tunisienne. Bien joué. L'accélération, peut-être le décalage, là c'est bien joué encore une fois. Non, il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi le joueur. Il se précipite trop dans les dernières passes. Il avait certainement mieux à faire. On va tenter de passer ce ballon qui va sortir. La touche à suivre, l'accélération. Le grand pont, le joueur qui est tombé, voilà, il ne réclame rien, il va aller se replacer, il le sait. Il a trop poussé son ballon, il est juste tombé derrière, on va le voir. Voilà. Il a vu que ça ne servait pas à grand chose, il a regardé l'arbitre. Il s'est dit, monsieur Anachi Maher, non, non. Je vais me relever rapidement avant de prendre un carton jaune, bêtement. Le ballon qui est récupéré par les Congolais. Voilà, ça n'explose pas. Il récupère cette balle, ils restent tous à côté, personne ne fait un appel en profondeur. Voilà, donc là il pensait que l'appel allait être fait en profondeur, ça n'a pas été le cas. Ce ballon qui est tout de suite récupéré, ça donne une bonne opportunité pour les Tunisiens avec ce ballon côté gauche. Accélération peut-être, non pour l'instant. Très bonne défense de cette équipe congolaise des Léopards de Dolisi. La faute bien sûr. Le crochet, il était passé et c'est Gandze César qui se retrouve au sol. En retrait. Le décalage maintenant qui est fait. Il n'y a pas de position d'enjeu, l'accélération. Il va lever la tête, il y a une solution peut-être pour ce second poteau. Directement dans les bras du gardien. Une très bonne sortie de Jérémy Rami. C'est ce qu'il fallait faire là. Bébé ND Rudy. Je suis pas d'accord, là les deux ont sauté. Je pense qu'il a pris plus le ballon au niveau de la tête que tête contre les envers. Voilà. C'est le ballon qui est arrivé dans la nuque. Et c'est pas une faute d'Abouna Nzanajan. C'est pas grave, le ballon récupéré, il n'y a pas trop d'incident, c'est pas un pénalty non plus. Et c'est pas un coup franc bien placé. Ils repartent à jouer au sol. Tunisien qui récupère ce ballon. Il y a un bon coup à jouer certainement là. Avec tout de suite de la vitesse de la percussion, il va tenter de piquer dans l'axe. C'est bien joué, le crochet. Le... Et position de l'enjeu d'Ali Maloul. Il est un peu énervé. Il faut qu'il se calme. C'est l'arbitre qui va aller voir. Voilà. Calmez-vous, monsieur. La prochaine fois, vous contestez. Vous allez récupérer un carton jaune. Voilà. Belle poignée de main. Lui ne l'était pas. C'est vrai. Mais son partenaire, si. Ali Maloul qui récupère ce ballon. Cette passe en profondeur, on va tenter de passer la faute. Il est en retard, hein. Zimbori sur cette action. Et elle a touché une solution pour l'instant. À part en retrait. Ok, fait, il va falloir aller chercher. Il l'a fait plusieurs fois ça, ce crochet. Mansef Mohamed Ali. Sur ce ballon, directement des bras du gardien. Vigilant jusqu'au bout, Massa Mouikola. Il va allonger certainement. La faute pour les Tunisiens, BBND Rudy, le capitaine qui commet la faute du côté des fauves. Un long ballon,
passer là, non, justement, on ferme bien la porte. Il a joué l'avantage, l'arbitre. Il le repique dans l'axe, la frappe à suivre, on le décale là-bas côté droit. Et la bonne tête, le deuxième corner. Pour le club sportif sfaxien, les corners à suivre vont bien s'appliquer. Le ballon qui va être, ça va être trop derrière tout ça, très mal ajusté. Il faut s'appliquer dans toutes ces opportunités. C'est un peu risqué ça, on va être obligé d'allonger alors que le gardien aurait pu le faire auparavant. Très bien joué à position d'enjeu alors qu'il avait fait le nécessaire là. Il n'est pas content, ça conteste énormément pour l'instant les décisions arbitrales, surtout des juges arbitres. Attention de ne pas perdre ce ballon. L'extérieur du pied qui n'est pas passé, récupération congolaise. Mais tout de suite le pressing s'organise pour récupérer cette balle. L'accélération, il est tenté de passer, il est passé. Il est rapide, il est vif, il va tenter de passer aussi le crochet. Le centre, non, il va attendre une solution. Le centre. Et le ballon qui va passer avec cette frappe au-dessus. Bien tenté parce que personne ne s'attendait à cette frappe. Le gardien était vigilant. Car il est venu quand même accompagner ce ballon qui passe au-dessus de la lucarne. On va le voir. Hein. Tout le monde s'attend à un centre. Et ben non. Il va venir frapper. Très bonne initiative de Cissé. Mahaman, et on a dépassé le quart d'heure de jeu. Voilà, ça essaie de jouer, ça manque de vitesse lorsqu'on arrive dans les phases de vérité, dans la surface de réparation, ça manque aussi de tentatives, d'essais, de frappe. Bien joué le petit pont, il est passé là maintenant, ce petit ballon piqué dans l'espace. On va mettre ce ballon directement en touche. Et toujours ce score de 0-0 bien sûr, entre les Tunisiens et les Congolais. S'embarrasse pas lorsqu'on est défenseur, on ne veut pas prendre de risques. Il y a un joueur congolais qui reste au sol, il réclame une faute. Attention, il est passé à travers le défenseur. Et puis le défensif qui s'organise rapidement. Cette passe en retrait d'Ali Maloul. Ali Maloul toujours sur son côté. Et le dégagement cette fois-ci ira directement en touche. Chaleur. Et Polo Duarte, l'entraîneur de cette équipe tunisienne, est plus ou moins inquiet dans ce match pour l'instant. À la maison, il faut absolument gagner. La remontée de balle. Le décalage maintenant. On réclame le ballon, le crochet qui est passé. Une fois, il est parti. Il est mis dans son dos, encouragé par son entraîneur. Peut-être le ballon, il fallait lui donner avant. Attention, c'est bon, il a récupéré. Il y a peut-être un bon coup à jouer. S'il lui met tout de suite à côté droit, là, il va repiquer dans l'axe. Non, en position d'hors-jeu, me semble-t-il. Oui, voilà, voilà qui est fait. Le but n'est pas validé. Et position d'hors-jeu pour Bébé Ndé, le capitaine. On va revoir. Il est en jeu au moins d'un pied. C'est du 43, du 44, de 43, 44 cm. Ça, c'est une certitude. La remontée de balle, ça tient un peu de choses, mais il y est. La remontée de balle est tunisien.
clair sur l'historique aussi de ces deux clubs. Hein. De la Confédération africaine de football pour cette équipe de club sportif faxien, une seule en 2012 pour les Léopards qui petit à petit écrivent leur histoire de ce football congolais. Petit ballon piqué, deuxième poteau là, la frappe au-dessus. Pourtant il s'est bien appliqué mais un peu trop statique. Le geste était plutôt pas mal. Transversal, elle va passer. Est plutôt pas mal et le troisième corner à suivre. Instant 3 corners à 0. Domination un peu stérile, on va dire. Bien s'impliquer. Cette fois-ci, se tire au premier poteau sur le premier défenseur. Attention, le contre maintenant. Il faut peut-être accélérer. Le défenseur qui revient bien. Très très bon retour défensif là. Et c'est le balle qui va les sortir. On touche. Il n'y a pas d'ordre sur une touche. Hein. C'est pas joué l'accélération dans l'axe. Ah, bien joué malheureusement. La passe manquait de puissance. Elle n'a pas pu arriver à gauche. Très bien joué ça. Décalage dans l'axe maintenant. Le ballon qui est redonné. Il est tout seul. Bien joué cette passe dans la profondeur. Cette ouverture du score, ça passe. La passe qui malheureusement n'est pas arrivée à destination. On a pu en dégager directement en corner. Corner ou touche, je ne sais pas. Je pense que ce serait une touche. C'est rapidement joué. Un coup franc à venir pour les Tunisiens qui s'enhardissent là. Ils veulent aller chercher l'ouverture du score. En tout cas, très très belle démonstration là. Avec ces 6, 7, 8 passes. On a fait assister à l'ouverture du score. S'appliquer sur ce coup de pied arrêté. C'est tiré au deuxième poteau. Ce blanc qui a remis. Attention, le dégagement. Toujours récupéré par. Par les Tunisiens. Changement de côté, bien joué ça. Non, ça c'est mal joué, c'était pas mal fait. Dans ce dédoublement de passe là. Mais la frappe elle est passée totalement à côté de Mansef Mohamed Ali. Cette balle qui a récupéré avec cette accélération là sur le côté, le joueur qui a glissé, c'est bien joué au second poteau. Malheureusement il a loupé sa tête, c'était trop facile, il n'y a pas cru là, ça fait deux fois. On va voir le décalage. Et oui c'est Boren Kimi, il n'y a pas cru là, c'était peut-être facile, il s'est dit j'ai plus qu'à la pousser comme ça.
Et il croyait tellement qu'il n'a pas pu arriver à ce qu'il souhaitait, mettre sa tête. Ça se précise, hein. Le crochet est passé. Attention sur le côté droit, c'est bien joué. Le centre instantané, non, peut-être. Le crochet encore une fois. Le pointu qui ne donnera rien directement en touche. Avec ce pressing très très haut tout terrain, bloc équipe monté d'un cran. Ils sont tous quasiment dans le terrain adverse. Les Congolais qui s'en sortent avec une longue touche. Ils peuvent les faire douter, hein, pour l'instant. Ça se précise de plus en plus, mais aucun arrêt du gardien pour l'instant, une frappe cadrée. C'est bien joué ça. Ce petit ballon dans cette phase de réparation. La frappe peut-être dans le contrôle qui est totalement manqué. Et la touche à venir pour les Congolais. Dans la profondeur un peu trop profonde, la touche à suivre. On va chercher une solution. Elle est passée trop facilement. Malheureusement, la passe mal ajustée. Et ils vont pas pouvoir en profiter des Congolais parce qu'ils ont sur le faire arrêter numérique. Le bloc équipe n'est pas monté. Cissé qui va tenter de passer. Cissé. Les manqués, les ballons qui est perdu. La faute est sur ça, un carton jaune. Il est en retard, le joueur, il le sait. Carton jaune, trop d'engagement là. Entella Kalema, Tichik. Oh, il s'arrête pas du tout. Un excès d'engagement. Match. Une légère domination tunisienne. Des belles phases de jeu. Les Congolais aussi, quand ils peuvent, ils ont des balles propres aussi. La touche, la faute à suivre pour le club sportif sfaxien.
compliqué. Le centre peut-être, non. Cette balle va sortir en sortie de but. Pour l'instant, le route d'observation entre guillemets se poursuit car il n'y a plus de vitesse. Enfin, l'accélération, enfin il est passé. Le défenseur est bien revenu, il n'y a pas de faute. Enfin, c'est les deux à la lutte, hein, bien sûr. S'il a essayé de faire faute, c'est compliqué. Enfin, par contre, le dégagement, on ne lui a rien donné. Directement en touche, ce ballon. Mal tiré leur coup franc, s'appliquer, ça a été travaillé à l'entraînement, c'est pour ça. C'est genre de temps. C'est tiré directement. Le gardien de 2 points gêné par ses défenseurs et par les attaquants aussi. Le contre. Il y a beaucoup à jouer aussi. C'est joué rapidement, c'est bien joué dans la profondeur. Il y a un 3 contre 2. Certains vont deuxième poteau, il est tout seul. Il a failli le mettre contre son camp là. C'était très bien joué. Hein. Qui était manqué. Ça tient un peu de choses. C'est pas seul par contre dans l'axe, une seule personne, et la faute pour les Tunisiens. Un échec qui est au sol, les Congolais qui perdent patience, ils ne sont pas d'accord avec la décision arbitrale, ils sont plus ou moins justifiés en tout cas. Ça frappe à côté. Quelle frappe! Elle a fini à côté, elle a pu finir en lucarne, le sort aurait été le même. Et elle est à côté.
Quelle frappe. Meslim Nislim. La tête qui va bien. Portée tunisien. Dans l'axe, peut-être la frappe à suivre, le point pointu là, le point de pénalty. Malheureusement, le défenseur n'a pas pu récupérer cette balle comme il le souhaitait. Ça a permis au Congolais de se dégager, mais le ballon est trop vite reperdu. À force de subir à un moment donné ou à l'autre, il y aura peut-être un manque d'attention. Mouzila Junior, c'est un peu sévère. Hein. C'est un peu sévère ce carton jaune. Il le sait, il s'arrête quand il va le voir. Il est dans la course, hein. C'est pas. Makessi, il y a faute, je suis d'accord. Mais ça mérite pas carton jaune, on va le voir. Voilà. Il s'enlève, il s'est engagé. Son corps est engagé. Le ballon est passé, certes, c'est vrai, mais je suis pas sûr que c'est. Il aurait fallu mettre un carton jaune, mais après l'arbitre a choisi. Allez, un autre coup franc bien placé. Attention de ne pas dégâcher ses coups de pied arrêtés. Ah, tout dessus, encore une fois, cette tête là. Il est devant Adam Hamza. Malheureusement, il ne peut pas ajuster sa tête. On va le voir, hein. Il est totalement fautif. C'est un loupé là. Adam Hamza, c'est un loupé parce qu'il a. Il a le but au bout du front. Mais il veut la frapper cette balle. Le fait qu'il la frappe, forcément. Elle passe au-dessus. Alors que s'il avait juste appuyé sa tête. Frappe à suivre, la frappe qui est enveloppée largement au-dessus. Pourquoi pas cette tentative comme une autre. Sauf qu'elle n'est pas cadrée. Cette frappe, attention au pressing là. Le corner sera à Congolais, c'est très bien joué. C'est tiré directement. Ils sont en panique, attention sous contrôle. Ils arrivent à se sortir pour l'instant les Tunisiens. C'est vrai qu'il y a eu un grand flottement pendant 30 secondes là. Et la touche sera tunisienne. Les ballons remis en retrait, la remontée de balle maintenant. Le décalage. Cette équipe peut défendre encore comme ça longtemps. Et long dégagement. Ce ballon qui est perdu. Ils
Ils ont du mal à pouvoir justement. Attention, peut-être la frappe à suivre. J'attends peut-être passer. Il y a une petite faute. Il y a une petite faute. Hein. Et le contre maintenant. Pour les Tunisiens. Il y a un joueur qui reste seul. Allez, va aller voir. Son état de santé. Il y avait faute. Hein. Je pense qu'il y avait faute. On va le voir. Il va tenter de passer. Vous voyez, à deux reprises. Il y fait un croche-patte. C'est pas volontaire. Il va prendre le ballon 1 et 2. Enfin, la première, on la voit pas. Mais la deuxième, c'est assez flagrant. Il va rendre ce ballon au côté tunisien. Alors qu'il aurait dû avoir un coup franc. On met ce ballon au sol. On passe avec le gardien. L'accélération. Je pense que même Usain Bolt n'aurait pas fait ça. Même s'il avait eu de l'avance, mais là il a poussé le ballon alors qu'il avait 2 mètres de retard sur le défenseur. Donc, il aurait fallu qu'il récupère les 2 mètres de retard. Ensuite, l'éloignement du ballon. Le ballon qui est contré. Le corner à suivre. Non, le centre peut-être. Il va tenter de passer dans ses trop téléphoné. On est venu lui fermer la porte tout de suite. Allez, le contre. Voilà, maintenant qui va s'amorcer. Il faut apporter la vitesse de la vie, de l'envie. Un seul but peut changer dans ce match. Il va tenter de passer le décalage là-bas, peut-être la frappe à suivre, non, il se remet sur son bon pied, l'ouverture du score contre le cours du jeu, les Léopards de Dolezil, il s'en sort bien, le ballon qui est contré sur cette frappe, c'est un pas contre son camp, on va dire ça comme ça, ouais. Alors qu'il y avait un décalage, il était seul sur son côté gauche, il n'a pas trouvé, il est venu justement ouvrir l'axe, et choisir un côté, ah. C'est un contre son camp, on va voir. Assez difficile, il y a 3 contre 2 à jouer. Et oui, ce ballon qui est contré, il ne peut rien faire le défenseur. Il ne peut strictement rien faire. Et c'est Ziad Derbali hein, qui marque contre son camp. Ah, que c'est dur, que c'est dur. Voilà, ils font la fête hein, bien sûr, ça fait très très mal, hein. Aucune occasion à se mettre sous la dent pour à part celle de tout à l'heure, le décalage côté droit, le joueur qui a tiré très fort au-dessus, il n'y a pas d'occasion non plus extraordinaire pour cette équipe tunisienne, mais en tout cas ils menaient le jeu, ils avaient le ballon, c'est comme ça, c'est le football tout simplement, on peut être dominé. La tête et des épaules et puis à un moment donné trouver une opportunité. Ce ballon qui est récupéré. La remontée de balle, le décalage côté gauche. Avec cette passe dans la profondeur. Attention, le ballon qui n'est pas sorti. Corner à suivre. Quatrième corner. Une frappe cadrée, un but pour cette équipe des fauves, des léopards, comme vous le souhaitez. En tout cas, il mène au score pour le moment. Attention, gêné par son défenseur. Hein. Le gardien congolais. Le but est venu maintenant. La réaction, elle sera tunisienne ou pas.
avoir peur du Razamek. D'accord, mais la partie chez soi, ça reste compliqué contre le dernier du groupe. Alors qu'un joueur congolais qui soutient le bras. Toute dernière minute du temps réglementaire, bien sûr, je pense qu'il y aura une minute grand maximum, mais encore la patrouille d'arrêt de jeu. Et c'est Abouna Zanajan qui reste au sol. Les étirements qui vont bien. Et 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Avec ce ballon remis en retrait. Enfin, j'ai du mal à savoir comment il retrouve 2 minutes, il n'y a pas eu de changement. Une faute. Alors du club sportif faxien. Avec ce ballon dans cette phase de réparation, de dégagement, ce ballon encore piqué, c'est bien joué, peut-être l'égalisation, mais encore une jambe qui traîne là. Dégagement de temps, attention, dans cette phase de réparation, encore 1 minute dans le temps additionnel, le décalage dans cette phase de réparation, le prolongement, côté gauche, on va peut-être passer en retrait, oh, le ballon mal donné, accélération. Il va mettre un carton jaune, il va mettre un carton jaune bien sûr. Oui, c'est logique. Tout à l'heure, Boren Kimi écope de ce carton jaune. Je vois pas pourquoi il ne l'aurait pas eu. Il était vif le joueur, il voulait passer à tout prix. Rapide, hein, qui a gêné. On a dépassé le temps additionnel. Fin de cette première période. Les Léopards de Lisée qui mènent un but à 0, un peu contre le cours du jeu. Ce n'était pas procuré un moment d'occasion. Les clubs sportifs faxiens avaient dominé. C'était assez stérile dans la domination. Ils avaient créé quelques mouvements et sur un contre assez bien emmené. Une frappe contrée par Derbalic qui vient tromper son gardien. 1-0 pour les Léopards de Lisée. On va se retrouver après une courte pause pour suivre la deuxième période entre le club sportif faxien et l'Athletic Club des Léopards de Lisée. A tout de suite sur la scène de la Flex de la télévision partenaire.